voir juste un aperçu, mais on va la revoir tout à l'heure. Elena Vitrychenko, alors que se présente maintenant au sol, c'est une autre gymnastique au sol. Eh bien, Elena Podunova, la petite russe, très très dynamique. Regardez. Petite boucle, double avant, percuté, salto avant. Elle m'étonne toujours. Lausanne, elle nous a fait une diagonale majestueuse. Série avant, double brillamment, percuté, salto avant. Et on peut saluer l'effort puisqu'elle revient de blessure. Elle ne souhaitait pas passer ici au sol. Et pourtant, elle a dit, c'est à Bercy, c'est le plus grand tournoi du monde. Je vais montrer ce que je sais faire. Et on n'a pas fini. Qui va être intéressante à suivre. Attention, c'est un double avant. Trop risqué. Un petit peu trop de rotation avant. C'est la seule gymnaste à faire cette difficulté mondiale. Je suis sûr qu'à Saint-Pétersbourg, au championnat d'Europe, Podunova sera mieux réglée. Double carpé pour finir, malheureusement c'était manqué, oui, je vous l'avais dit. Elena Podunova revient au sol après une petite blessure, elle n'était pas tout à fait prête, elle a voulu faire, mais il manquait encore un petit peu de temps de préparation. On va voir série avant, l'impulsion et le double avant, emporté par son élan. Oui, je suis sûr que...